sais comment ça va. Donc aujourd'hui, c'est une démonstration de force, une marche sur les droits sociaux, sur la marche climatique, pour la retraite à 60 ans, mais pour que en fait, tout le monde, associatif, politique, on se retrouve et pour dire qu'un autre monde est enfin possible si on est tous ensemble et tous unis. Ce qu'on demande, il y a un certain nombre de revendications. Pour moi, ce qui est important d'être là, c'est qu'il faut qu'on agisse et que la seule limite à l'exploitation, c'est la résistance qu'on lui oppose. Donc, à la vie chère, on est sur une inflation qui est caractérisée par l'INSEE à 6%, mais si on prend les produits de biens de consommation, on est plutôt à 10%. Donc on est concrètement dans une perte de pouvoir d'achat de 10%, enfin, voilà, une perte de salaire, hein, ça revient à ça. Ben, les revendications principales de cette manifestation, c'est le pouvoir d'achat déjà, les salaires, et puis qu'on nous prenne pour des vrais citoyens, quoi, et contre les réquisitions, parce que les réquisitions, c'est dans les dictatures qu'on les fait, c'est pas en France. En France, c'est considéré comme une démocratie qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a les PD, il y a les responsables de Total Energy qui gagnent beaucoup, ils ont fait des tas de bénéfices, etc. Et c'est normal que les salariés réclament leur dû. Alors il y en a qui disent, ouais, mais Total Energy, ils gagnent beaucoup leur vie. Le problème, il n'est pas là. C'est une histoire de pouvoir d'achat. C'est pas parce qu'on gagne 2000 euros par mois que notre pouvoir d'achat, il doit diminuer. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse vivre décemment avec le pouvoir d'achat qu'il avait avant.